Bonjour, très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis dans une petite ruelle ici à Sion. Alors Sion, c'est la capitale du Valais. La capitale du Valais, c'est très très beau comme endroit, c'est juste à côté de chez moi. Et alors, il y a le marché. Je me suis mis un peu à l'écart parce que c'est dangereux. Je vais vous le montrer après. Je me suis dit c'est dangereux parce que vous avez vu, j'ai changé d'avis. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein, comme on dit. J'ai changé d'avis parce que j'ai regardé la télévision et j'ai compris en fait. J'ai compris à quel point le masque était important aujourd'hui et qu'il fallait vraiment le mettre. C'est une question de civisme. Le masque, c'est vraiment, enfin, je l'ai compris, c'est pour protéger les autres. C'est pas pour soi, c'est pour les autres. Le masque, c'est sauver des vies. Le masque, en quelque sorte, c'est sauver l'humanité en fait. Et là, je vois dans le marché, là, il n'y a personne qui met le masque. Alors là, je suis scandalisé parce que je dis, mais c'est des inconscients, c'est des complotistes, c'est des sociopathes. Oui, parce que j'ai vu à la télévision que les gens qui ne mettent pas le masque sont des sociopathes. J'ai vu ça dans les journaux aussi, des pervers narcissiques. Et la preuve d'ailleurs, c'est que j'ai vu qu'il y a de ces anti-masques qui ont tué un chauffeur de bus, qui ont tapé sur une infirmière, je crois, ou je ne sais plus trop. Donc c'est bien la preuve que ces anti-masques sont des criminels et je suis très content de ne plus en être. Et de faire partie maintenant de ce qu'il faut faire en fait, d'être un bon citoyen, d'être civique, parce que le masque, je le rappelle, c'est pour protéger les autres. Alors il y a des gens qui me disent, oui mais les autres, les vieilles personnes, il y en a qui veulent juste vivre avec leur famille, ils n'ont pas besoin de tout ça, ils préfèrent avoir une vie peut-être un peu plus courte de quelques mois, mais au moins vivre avec leur famille dans l'amour. Il y en a qui disent ça. Moi, je leur dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi, parce que d'ailleurs, c'est pas vrai, parce qu'on n'entend pas ça à la télévision, donc c'est pas vrai. Et puis, je trouve que la liberté, c'est ok, la liberté, c'est pas mal, mais ce qui est le plus important que la liberté, c'est la sécurité. La sécurité, c'est le plus important. Donc, je trouve que c'est le gouvernement qui doit décider, qui choisit pour nous, en fait, et je leur fais confiance. Enfin, depuis que j'ai regardé la télé, vous avez vu, j'ai changé, parce que j'ai compris, en fait, que le gouvernement veut notre bien. Le gouvernement, c'est un peu notre grand frère, en quelque sorte, et que les médias font leur travail. J'ai compris, en fait, que tout le monde cherche à nous protéger, les médias, le gouvernement cherche à nous protéger. Et aussi, j'ai remarqué que depuis que j'écoute la télévision, je suis apaisé, parce que je ne dois plus trop réfléchir, parce qu'il y a tellement d'informations contradictoires. Et c'est bien, c'est qu'à la télévision, il n'y a pas de débat en fait. Donc c'est une seule vision qui est proposée. De temps en temps, il y a quelques complotistes qui passent. Encore hier, j'ai vu, ça m'a énervé, parce que maintenant j'ai changé. J'ai vu un complotiste, comment il s'appelle? C'est le professeur Toussaint? Non, c'est le professeur Perron, je ne sais plus, non. C'est le professeur Raoult, voilà, c'est aussi des autres complotistes. C'est rare quand ils passent, mais il y a quelques complotistes qui passent malheureusement. Je vais écrire d'ailleurs au service public pour leur dire d'arrêter. Mais lui, ce complotiste, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il y avait autant de morts, plus de morts en 2017 qu'en 2020. Il y a même des médias d'ailleurs qui l'ont repris ça. Il y a plus de morts de la grippe en 2007 qu'aujourd'hui. Alors j'y crois pas du tout. Mais je suis désolé, j'y crois pas du tout. Parce que si c'était vrai, le gouvernement n'aurait pas fait tout ça. Si c'était vrai, les médias en auraient parlé. Donc j'y crois pas. Pour moi, c'est du complotisme. Alors, quand je dis complotisme, c'est facile parce que je vous invite, c'est un petit truc, c'est... Parfois, c'est compliqué de discuter, il y a tellement d'informations, il y a des études contre, des études pour, les masques et tout ça, le confinement. Il y a des gens qui disent que le confinement, ça sert à rien, comme plusieurs scientifiques qui disent que ça sert à rien. Moi, je discute plus. Je trouvais le truc, je dis que c'est complotiste, c'est des négationnistes, c'est des conspirationnistes. Voilà, il y a trois termes que vous pouvez utiliser. Et c'est chouette parce qu'il n'y a plus besoin de discuter, la personne, elle s'énerve. C'est une façon aussi de la mettre à l'écart et de vivre en paix, parce que tout ce qu'on veut, c'est vivre en paix. Moi, maintenant, depuis que je regarde la télévision, je regarde le journal parler, ça, c'est super important. Et puis après, j'ai mes séries. Alors, je suis super les séries parce que ça, c'est vraiment bien fait. Ça me distrait et je ne dois plus trop réfléchir, vous voyez, je trouve ça très chouette en fait. Alors le masque, je le mets tout le temps en fait, je le mets parce qu'il y a des endroits où on peut le mettre et pas le mettre, donc moi j'ai décidé de le mettre tout le temps. Bon là je ne l'ai pas mis parce que j'ai un peu peur, mais sinon il y a beaucoup de gens inconscients qui ne le mettent pas, mais sinon je le mets tout le temps et je me suis habitué. Alors il y a des scientifiques, enfin des politiques qui disent qu'il faudra peut-être le mettre pendant 3 ans, eh bien on le mettra pendant 3 ans si c'est comme ça. On s'habitue, hein, on le met, on respire dans son propre gaz carbonique, c'est finalement une forme d'intimité. Alors c'est vrai quand il fait chaud c'est un peu difficile, mais c'est pas grave. Alors s'il faut refaire un confinement, même si ça détruit des économies, ben, c'est pas grave, ça enrichit les GAFAM, mais les GAFAM ce sont eux qui nous distraient, hein, comme Amazon, voilà, Netflix et tous ces gens-là. Ils font beaucoup de profits, les milliardaires ont fait beaucoup de profits, et je trouve que c'est une bonne chose. Donc je suis vraiment pour obéir, l'obéissance maintenant, et je suis scandalisé de ces gens qui ne respectent pas le port du masque obligatoire. Ça me scandalise et je trouve qu'on devrait durcir les amendes.
Parce qu'encore une fois, mettre un masque, c'est pour sauver les autres. Vous voyez, c'est pour protéger les autres. Il faut tous qu'on le fasse, c'est une question de solidarité, parce que si tout le monde ne joue pas le jeu, ça ne marchera pas. Vous voyez ? Alors j'ai quelques amis qui me disent oui, mais là maintenant l'épidémie est finie, il n'y a plus besoin, regarde les courbes des décès, les décès il n'y en a pratiquement plus, les soins intensifs il n'y en a pratiquement plus. Ben, moi je lui dis que c'est pas vrai, c'est du complotisme, parce que si c'était vrai, on le verrait à la télé. Et moi ce que je vois à la télé, les chiffres qu'on me donne, ça me fait peur. Moi je dis que c'est pas fini, on attend une deuxième vague. Alors les gens me disent oui, mais la deuxième vague, on l'avait dit pour la fête de la musique, on l'avait dit pour ça, on l'avait dit pour ça. Là il y a eu plein de gens qui ont manifesté en grand nombre dans différents endroits du monde. Bon, il n'y a pas de deuxième vague, mais je pense que ça va venir. Parce que si on nous en parle, il n'y a pas de raison que les médias nous mentent, il n'y a pas de raison que le gouvernement nous mente, que les scientifiques nous mentent. Je ne vois vraiment pas les raisons. Donc, je pense que tout ça, c'est n'importe quoi. Alors, je trouve que les gens qui sont mal quand ils mettent un masque parce qu'ils ont des problèmes, ils ont des angoisses, c'est n'importe quoi. Les gens qui sont autistes, qui peuvent pas mettre de masque, c'est n'importe quoi. Les gens qui sont les enfants autistes, les gens qui ont des problèmes pulmonaires, qui sont asthmatiques, tout ça, c'est des excuses pour ne pas le mettre. Donc moi, je suis un peu comme mon ami. J'ai un ami en fait qui est militaire. Il a pas pu faire militaire. Il voulait être militaire, mais il n'a pas réussi. Il voulait être policier, mais il n'a pas pu rentrer non plus. Mais alors, il est très content maintenant. Il était assez frustré, mais maintenant, je le vois beaucoup plus serein parce que, en fait, il me dit qu'il peut, rappeler à l'ordre les gens qui ne mettent pas le masque. D'ailleurs, parfois, souvent, il le fait. Il crie dessus. Il dit « Mettez le masque, mettez-le bien. » Et en fait, il est tout content de pouvoir être utile. En fait, il a trouvé un sens à sa vie et je suis très content pour lui. Et je crois que je vais faire de même parce que je suis scandalisé de tous ces pervers narcissiques, ces sociopathes qui me dégoûtent, en fait. Donc là, on va aller au marché, mais je vais faire un effort hein, pour vous montrer la beauté de ce marché. Alors, je suis aussi pour ce qui va venir, sans doute, parce que si on doit mettre le masque pendant 3 ans, je le mettrai. Et puis, j'ai vu, c'est un ami complotiste, je devrais arrêter d'ailleurs de les fréquenter, qui m'a dit qu'il y a des textes de loi. D'ailleurs, je les ai lus, ces textes de loi, c'est des propositions de loi. On voit ça en Nouvelle-Zélande, on voit ça au Québec, je pense, on voit ça en Allemagne, en Angleterre, je ne sais plus dans quel pays, où le gouvernement va avoir la possibilité de forcer les gens à être en confinement. Et s'ils ne le veulent pas, on les force, tout simplement. Et puis, les vacciner de force également. Et je trouve ça une très bonne chose. Jusqu'à enlever l'enfant également, placer l'enfant dans un centre, on va les concentrer dans des camps, et jusqu'à ce qu'ils comprennent, en fait. Et les forcer à les vacciner aussi. La vaccination va devenir obligatoire. Et je trouve que c'est une très, très bonne chose. Parce qu'ici, en Suisse, c'est pas obligatoire, le vaccin. Et je trouve ça dommage. C'est laissé à la responsabilité des gens. Mais je trouve que les gens ne sont pas responsables. Je trouve qu'il faut avoir les forcer un petit peu pour qu'ils comprennent. Parce que c'est dangereux, cette épidémie. Il y a beaucoup de morts, en fait. Il y a beaucoup de morts, en fait, vous voyez. Les gens qui me disent qu'il n'y a plus de morts, c'est... Si c'était vrai, qu'encore une fois, on le verrait à la télé, donc j'y crois pas du tout. Alors, juste un truc qui m'inquiète un peu, parce qu'on parle du vaccin, le vaccin qui va être la solution. Les gouvernements en parlent, les hommes politiques en parlent, et puis malheureusement, j'entends les nouvelles, c'est qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde tout de suite, il faudra attendre. Alors moi, j'ai peur de ça, en fait. Pour mes proches et pour moi, j'ai peur que ça vienne pas assez vite. Donc j'espère que ce vaccin va être vite fait. Alors il y a encore des amis, des anciens amis complotistes qui me disent « Ouais, mais un vaccin, ça prend des années, là on va le faire en quelques mois, il y aura plein d'effets secondaires, ça va être la catastrophe. » J'y crois pas, parce que si c'était vrai ce qu'ils disaient, on entendrait ça à la télé. On n'en parle pas, il n'y a pas de débat là-dessus, donc c'est qu'il y a un consensus, tout simplement. Alors, il y en a d'autres qui me disent « Oui, mais on fait un vaccin quand il n'y a pas de traitement, mais là il y a un traitement. » Bah, j'y crois pas qu'il y ait un traitement parce que, ouais, on parle de l'hydroxychloroquine, mais si c'était vrai, cette hydroxychloroquine, on ne l'aurait pas interdit, vous voyez. Donc le fait qu'on l'a interdit, le fait qu'il y ait des études qui montraient que ça ne marchait pas, mais ça montre bien que c'est du n'importe quoi. Donc vous voyez, pour moi maintenant, c'est simple, j'écoute le gouvernement veut notre bien. Alors on critique les industries pharmaceutiques qui font des milliards de dollars de bénéfices, je trouve que c'est normal qu'ils en font. Parce que les industries pharmaceutiques, ils veulent notre bien. Les industries pharmaceutiques, ils veulent notre santé. Ceux qui parlent du système immunitaire, j'y crois pas, parce que le système immunitaire, si c'était si bien que ça, on en parlerait à la télévision. On aurait des naturopathes, on aurait des gens qui parlent du système immunitaire, ou de l'alimentation, de pas se stresser. Non, moi franchement, j'y crois pas à tout ça. Moi, je pense vraiment que c'est le vaccin qui va nous sauver, c'est le confinement qui va nous sauver, ce sont les masques qui vont nous sauver. En tout cas, c'est ce que le gouvernement a toujours fait et je le crois et je fais confiance. Et puis les médias, voilà,
ont leur responsabilité là-dedans de faire passer cette idée. Et je sais qu'ils sont de bonne volonté. C'est un peu notre grand frère. Et je fais confiance à mon grand frère, vous voyez. Alors, je vais sortir de cette hypnose, en fait. Parce que vous savez, je suis hypnothérapeute. C'était un peu d'humour pour montrer que, par l'absurde, parce que parfois il faut traiter l'absurde par l'absurde, c'est un des principes de la thérapie brève d'ailleurs, vaut mieux en rire que d'en pleurer. Parce qu'il y a de quoi être fâché. Hein. Moi j'ai reçu encore récemment dans ma pratique, dans les 10 derniers jours, là j'ai eu 2 adolescents et j'ai eu deux personnes adultes, mais qui souffrent terriblement au niveau psychologique hein, de ce qui se passe, de cette ambiance de terreur en fait. Le terrorisme c'est quoi? Le terrorisme c'est terroriser une population, donc civile. Ben, c'est ce qu'ont fait les Américains en tuant des centaines de milliers de civils. Hein. C'est le premier terroriste, c'est les Américains avec la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Et puis il y a aussi ce terrorisme médiatique hein, aussi qui est là, et gouvernemental. Je vois les méfaits en fait dans ma pratique de ces jeunes, surtout les jeunes, ça me touche, qui sont inquiets sur l'avenir, qui comprennent pas ce qui se passe, qui voient que leur vie va être différente. Alors ici c'est beaucoup plus cool en Valais, j'ai de la chance, c'est que ici ma fille est allée à l'école, puisque l'école, la rentrée c'est le 17 août ici en Valais, il n'y a pas de masque, donc je vais vous montrer un petit peu, ça peut faire du bien de voir que la folie n'est pas partout. Hein, parce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, vous avez vu, alors je suis content, j'ai eu beaucoup, beaucoup, je vous remercie à tous. Je croyais que j'allais perdre des abonnés en me positionnant comme ça, mais en fait j'ai eu énormément de soutien, des emails, des gens qui disent c'est super, on se retrouve là-dedans. Donc ça m'a fait très plaisir, je vous remercie. Et je reviens sur cette idée de rester rationnel. De la folie, je la vois quand je dis la folie, vous avez compris, c'est des gens qui perdent la raison dans une situation particulière, comme les TOC par exemple, ou la phobie. Moi j'ai eu mon père qui avait des TOC, j'ai connu ça pendant toute mon enfance, c'est se laver les mains tout le temps, il avait la phobie des microbes, des virus, donc ce que je vois ici on le retrouve un peu. Moi je vais me laver les mains des dizaines de fois par jour au Dettol et plein d'autres comportements aberrants. Et en fait, si on rentre dans la folie, comme beaucoup de gens en disant « ok, est-ce qu'on peut diminuer un petit peu ?» Non, en fait c'est de la folie, on ne rentre pas dedans quoi, on ne rentre pas dans la folie, on refuse de rentrer dans la folie. Donc ça peut faire du bien parfois de s'extraire d'environnement où vous avez les gens qui sont complètement dans une sorte de psychose, de délire collectif, et de retrouver la sérénité. Et c'est ça la notion de guerrier pacifique, c'est vraiment de rester dans une belle énergie où on vibre dans la joie et dans l'amour, tout en s'affirmant, en se positionnant, en ne rentrant pas dans la folie, en n'acceptant pas la folie, et en s'exprimant, en écrivant aux journalistes, en écrivant aux hommes politiques, en disant « arrêtez un peu ce délire, vous voyez les faits, vous voyez que pardon, il n'y a pas de danger ». Et donc ce guerrier pacifique a parfois besoin de se ressourcer, et c'est pour ça que je vais vous montrer cet endroit ici, il y a des endroits comme ça où, ben, ici c'est assez cool, hein, les gens ne mettent pas de masque pratiquement, ça peut faire du bien parfois de s'extraire, moi je suis très content de m'être expatrié d'ailleurs, et ça peut faire du bien d'aller dans des environnements où c'est harmonieux, de vous reconnecter à la nature par exemple. Et quoi qu'il se passe, de garder l'espoir que la raison et l'amour vont gagner en fait. Et donc je vous invite à regarder cette position du guerrier pacifique. Alors là on va aller dans cette petite ruelle, on va se promener et je vais aller vous montrer, alors c'est une surprise parce que l'humour c'est important, mais aussi l'art, l'amour et l'art. Et vous savez qu'à la fin de chacune de mes vidéos, j'ai un chanteur qui a cette chanson qui est très rebelle, qui est magnifique. Et alors souvent il chante ici au marché, donc on va voir s'il est là. Et ce sera peut-être une surprise pour vous, j'espère. Alors on va aller l'écouter et on va faire cette petite promenade ensemble. Je suis sûr que vous reconnaissez cette chanson.
le beau qui fasse beau, c'est pour ça que j'ai mon moral. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. La patrie est un vampire qui boit le sang de ses héros. J'ai refusé de servir sous quelque drapeau. Les gens heureux qui s'aiment, ça fait trembler le système. L'enfer faire prendre un fusil à quelqu'un qui a joué. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde fou. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous, dans ce monde de fous. Ouais, super mon frère. Bonjour Eric. Voilà, c'est génial. Alors, on est très heureux de t'avoir parce que ça fait des années qu'on t'entend, mais. Eh oui, ben voilà. Maintenant, vous me voyez. Hein, tu vois. Ouais, super. Et alors, on peut te retrouver sur ton site, c'est briosphère.ch. Ouais, exactement. Il y a des super chansons, notamment une sur le Corona Minus. Ouais, exactement. Ouais. Très bien. D'ailleurs, je vais la faire. Tiens. Ah, super. Alors, écoutez, c'est là. C'était sage à la maison, entre mes quatre murs. Ce n'est pas très folichon, y a mieux comme aventure. Mais c'est pour ma santé et pour mon bonheur qu'on m'a enfermé en prison dans ma demeure. J'ai passé ma vie la tête dans le guidon, à courir sans répit après des illusions. J'avais toujours rêvé la vie d'un monastère. Maintenant je peux méditer dans mon salon le cul par terre. Au nom de ma santé, sacrifierai-je ma liberté, sacrifierai-je ma liberté. Heureusement pour nous, il y a la technologie, et grâce à l'internet, on prend l'apéro de midi. On est tous connectés, le verre levé devant l'écran, trinquant à la santé du dernier survivant. L'appart d'à côté, il y a la famille Duval. Maçon sur un chantier, pas de télétravail. Pour empêcher de crier, la petite Sarah y rajoute dans son lait un peu de Corona. Au nom de ma santé, sacrifierai-je ma liberté, sacrifierai-je ma liberté. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.